Psaume 97. Jouez pour le Seigneur sur la sitar et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Ce psaume nous transporte en pensée déjà à la fin du monde. C'est la création tout entière, renouvelée, qui crie sa joie parce que le règne de Dieu est enfin arrivé. J'ai dit la création tout entière, car je lis dans ce psaume la mer et sa richesse, le monde et ses habitants, les fleuves, les montagnes. Saint Paul dit bien, dans la lettre aux Éphésiens, que c'est le projet de Dieu depuis toujours, je cite, de réunir l'univers entier. Tout réunir, la création, c'est-à-dire le cosmos et les créatures. Et le mot « réunir » est à prendre au sens fort d'union. Le projet de Dieu de toute éternité, c'est l'harmonie entre tous. Et dans ce psaume, on le chante comme s'il était déjà réalisé. La mer et toutes les créatures aquatiques résonnent, s'associent au son de la trompette et du cor. Les fleuves battent des mains, les montagnes chantent leur joie. Malheureusement, c'est encore un rêve, bien différent de la réalité qu'on connaît. Que ce soit entre les éléments et l'homme, entre les animaux ou entre les hommes eux-mêmes, on assiste à des luttes de toutes sortes, parfois une guerre sans merci. Où est passé notre beau rêve d'harmonie? Et où est passé le beau rêve de Dieu, surtout? Mais parce que c'est le projet de Dieu, l'homme de la Bible sait que le jour viendra où le rêve se réalisera. À toutes les époques, c'est le rôle des prophètes de raviver cette espérance. C'est le rôle des psaumes aussi, de nous faire inlassablement répéter nos motifs d'espérance. Et ici, dans ce psaume 97, on chante le règne de Dieu. Et cela signifie rétablissement de l'harmonie universelle. Et après tant de rois décevants au nord comme au sud du pays, après tant d'injustices de toutes sortes, un règne de justice et de droiture va commencer. Et si on le chante déjà, c'est par anticipation. En chantant cela, on imagine déjà, parce qu'on est sûr qu'il viendra, le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre, c'est-à-dire reconnu par toute la terre. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. C'est Isaïe qui parlait du règne du Messie en disant « La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins. » Isaïe chapitre 11. Isaïe parlait au futur, mais cette fois, le psaume parle au présent. Nous en avions lu les premiers versets il y a quelques semaines, je vous les rappelle. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. » C'était au passé. On rappelait les hauts faits de Dieu en faveur de son peuple, c'est-à-dire l'exploit de la sortie d'Égypte d'abord, puis toute la présence de Dieu auprès de son peuple au milieu de toutes les péripéties de son histoire. Mais ici, le psaume parle au présent. Acclamez votre roi, le Seigneur. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Car c'est l'expérience du passé, justement, qui permet à Israël d'anticiper l'avenir. Dieu a fait ses preuves, en quelque sorte. De la même manière qu'il a délivré son peuple de la servitude en Égypte, il délivrera l'humanité de toutes les chaînes qui l'emprisonnent, celles de la haine et de l'injustice. On peut donc déjà acclamer le règne de Dieu comme accompli, parce qu'on sait sans aucune hésitation possible, que ce n'est qu'une affaire de délai. C'est le psaume 89 qui dit « 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, comme une heure de la nuit. » Et Saint-Pierre reprend à peu de choses près
les mêmes termes, à des chrétiens qui s'impatientent devant la longueur du délai de la venue du royaume, Pierre répond « Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains d'entre vous prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous. » C'est dans la deuxième lettre de Pierre. On retrouve ici un écho des promesses de Malachie que nous entendons ce dimanche en première lecture. « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. » Ceux qui chantent ce psaume attendent avec impatience sa venue, son rayonnement, comme dit Malachie. À l'époque où ce psaume a été composé, c'est le peuple élu tout seul qui chantait au temple de Jérusalem « Acclamez le Seigneur, terre entière, acclamez votre roi, le Seigneur ». Mais quand les temps seront accomplis, c'est la création tout entière qui chantera et pas seulement le peuple élu. Et nous avons vu déjà que le mot « chanter » ici est trop faible. En fait, par le vocabulaire employé en hébreu, ce psaume est un cri de victoire, le cri que l'on pousse sur le champ de bataille après la victoire, la terroir. Mais dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que Dieu va créer, ce cri de victoire va se transformer. Il n'y aura plus de place pour des cris de guerre, car, c'est encore Isaïe qui parle, la justice de Dieu sera là pour toujours et son salut de génération en génération. Nous comprenons alors pourquoi Jésus nous fait répéter « Que ton règne vienne !»